La nuit d'Halloween. Bonjour les amis. Bonjour. Ah, je vois que vous êtes tous prêts pour aller fêter Halloween. Bonjour Nina. Mais, bah, où est ton déguisement? De quoi? De quoi? Tu ne sais pas ce qu'est Halloween? Halloween est une nuit très spéciale où tout le monde porte un déguisement effrayant et s'amuse à faire peur aux autres. Regarde, une momie qui fait horriblement peur. L'abominable loup-garou. Et ici, un redoutable pirate fantôme. Mais qui est-il, Pato? Tu veux nous raconter une histoire qui fait peur? Eh bien, c'est d'accord. Nous t'écoutons. Il était une fois un vieux pirate qui naviguait sur un océan plus noir que les ténèbres. Il transportait sur son navire un coffre plein à craquer de délicieux bonbons de toutes les couleurs. Quand soudain, surgit du brouillard poisseux un bateau fantôme. Le pirate du bateau fantôme ordonna à une pieuvre géante de voler le coffre. Transforma en bonbons et sucette fantômes effroyables. Eh bien, j'ai l'impression que Nina n'a pas eu vraiment peur, n'est-ce pas? Pocoyo, tu veux essayer? Oui. Il était une fois un petit garçon très ordinaire qui, quand la lune était pleine, se transformait en un terrible, terrifiant et sanguinaire. Petit loup. Alors, j'ai l'impression que notre petit loup a tout simplement envie de jouer. Ellie, tu veux essayer de raconter une histoire qui fait peur? Il était une fois une momie qui s'en alla au cimetière une nuit sombre et orageuse pour faire un pique-nique avec sa poupée et son ours en peluche. Et lorsqu'une musique étrange et inquiétante se fit entendre, la momie, la poupée et l'ours en peluche firent tous les trois la danse des zombies.
Eh bien, je crois que Nina n'a pas du tout, eu peur. Oh, mais qui est-ce? Un bonbon ou une farce? Cette fois-ci, je crois que Nina a eu peur. Joyeux Halloween! Bonjour, Pocoyo. Bonjour. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui? Tu as une idée? Oui, il y a quelque chose là-bas. C'est un objet qui brille beaucoup. Je ne crois pas que Pocoyo sache ce que c'est. S'il vous plaît, les enfants, aidez-le. Dites-lui comment s'appelle cet objet. C'est une clé! Clé! Exactement, c'est une clé. Seulement, je serais très curieux de savoir quelle serrure cette clé peut bien ouvrir. C'est un mystère. Vous savez quoi? Vous allez encore dire que je raconte n'importe quoi, mais je trouve que cette clé ressemble beaucoup à celle qui ouvre les coffres des pirates. Vous savez, les petites boîtes en bois où ils cachent leurs trésors. Trésors! Ça, c'est incroyable. Regardons de plus près. Mais oui, c'est bien un trou de serrure. Comme c'est étonnant. Trésor? Vas-y, essaye. Je ne suis pas un expert en trésor, c'est vrai, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Non, il n'y a pas de trésor par ici. Pardon de t'avoir réveillé, Dodo l'oiseau. Clé. Trésor. Trésor. Clé. Trésor. 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 Tiens, tiens, un deuxième trou de serrure. Je ne savais même pas qu'on avait une cave. Trésor? Trésor? Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. 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 Tu es étonné de nous voir, n'est-ce pas, Patou? Trésor, Patou! Trésor, trésor! Un ascenseur, comme c'est intéressant. Vas-y, Pocoyo, essaye. Oui. Ah,
Vous voilà au fond de l'océan. Trésor? Si tu veux mon avis, Pocoyo, tu ne pourras pas aller plus loin. Autant remonter. Je ne crois pas mes yeux. Regardez! Trésor! Trésor! Mais oui, tu as raison. Ça ressemble à un trésor. Plus rien ne m'étonne après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vas-y, Pocoyo, ouvre le coffre! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des bonbons, des jouets. J'ai hâte de voir quel genre de trésor c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, dites-le-moi. S'il vous plaît, les enfants, allez voir et dites-moi ce qu'il y a dans le coffre. Il y a plein de clés! C'est le meilleur trésor que l'on pouvait trouver aujourd'hui. On va pouvoir continuer à s'amuser. On va chercher les serrures, couvrir toutes ces clés, faire des enquêtes et continuer à explorer le monde merveilleux de Pocoyo. Et qui sait parmi toutes ces clés, il y a sûrement celle du bonheur. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Pocoyo et Lula ont prévu d'aller passer la journée à la plage. Quelle bonne idée! Bonjour Pocoyo! Et bonjour à toi aussi Lula! Bonjour! Quelle chance vous avez de passer la journée à la plage! Regardez, ils se sont préparés de quoi faire un pique-nique et ils emportent un parasol et... Pocoyo, mais où allez-vous? Ce n'est pas par là la plage, voyons! Ah, mais bien sûr, très bonne idée. Une balle. Une petite balle orange, toute ronde. C'est une excellente idée de la prendre avec vous. Ronde? Oui, ronde. Comme un cercle. Tu es très doué, bravo. Lula va beaucoup s'amuser à aller chercher la balle dans le sable. Tous les chiens sont pareils. Bon, on devrait y aller, non? Pocoyo, la plage n'est pas par là non plus, tu sais. Non, c'est pas vrai. Ah, vous voilà tous les deux. Bon, où est passée notre petite balle? La vois-tu, Pocoyo? Laquelle est-ce? Le sais-tu? S'il vous plaît, les enfants, Pocoyo a besoin d'aide. Dites-lui laquelle est sa balle. La ronde! C'est la ronde! Ronde! C'est exact, Pocoyo. Ta balle est ronde. Et maintenant, on peut aller à la plage. Notre ami Pato le canard a l'air de bien s'amuser. Je suis très impressionné, mais... Ah, attention! Ouh, elle n'est pas passée loin, on a eu chaud. Oh, voilà Lula. Oh, pauvre bateau. Tu vas devoir recommencer ta pyramide. Pato, j'ai l'impression que la balle de Pocoyo se trouve au milieu des tiennes. Tu peux l'aider? Ronde. Oh.
Exact, Pato a raison. Toutes les balles qui se trouvent ici ont l'air d'être rondes. Mais il doit y avoir un autre détail qui nous permettrait de la différencier des autres. S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo. Parmi toutes ces balles, laquelle est la sienne? L'orange! Celle qui est orange! Orange! Ça y est, Lula l'a vue elle aussi. Oh non, elle va tout faire tomber. Je suis vraiment désolé, Pato. Oh, moi aussi, j'adorerais savoir jongler. Attention! Oh, ma pauvre. Bonjour, Ellie. Ellie! Cette fois, ça m'a l'air d'être un peu plus difficile. Il va falloir que tu dises à Ellie à quoi ressemble la balle que tu cherches. Ronde? Orange? Non, ce n'est pas celle-là, hélas. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur ta balle tout à l'heure. Elle est ronde, elle est orange, et quoi d'autre? Vous pouvez aider Pocoyo, les enfants. Dites-lui laquelle est sa balle. C'est la petite. Petite. Ça y est, tu l'as trouvée. Alors, maintenant que tu as récupéré ta balle, on pourrait peut-être aller à la plage ensemble. La plage! Enfin! Oh, pendant un moment, j'ai cru qu'on n'irait jamais. Un grand bravo pour Pocoyo. Finalement, je crois qu'on va passer un excellent moment à la plage. On va pouvoir jouer à la balle tous ensemble. Quelle chance! Au revoir! Au revoir! Et à très bientôt! Une journée à la plage. Bonjour, Ellie! Où vas-tu? À la plage? Ah, tu vas passer la journée au calme, toute seule. Oui, ça va être très reposant. Oh, regarde, c'est Pato. Ellie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage. Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu veux bien conduire? Oh, c'est très gentil à toi. Qu'en penses-tu, Ellie? Du calme, Pato. Ellie voudrait passer une journée tranquille. Ah, voilà qui est mieux. Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Ellie?
pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas, Ellie? C'est parti, tout le monde va à la plage. Qu'y a-t-il, Nina? Ça ne va pas? Ah, j'ai compris. Pato, tu ferais mieux de t'arrêter. Toi aussi, Pocoyo? Oh, d'accord. Il ne manquait plus que ça. De quel côté est la plage? Par là. Ah oui, c'est une excellente idée, Ellie. Peut-être qu'il pourra nous indiquer la route de la plage. Mais nous sommes revenus au même endroit. Oh non, encore. Bonheur, la plage, le soleil, on va bien s'amuser. Alors Ellie, il n'y a rien de plus agréable que de partager un bon moment avec ses amis, n'est-ce pas? Même si vous avez eu du mal à trouver la plage. Au revoir et à bientôt. Le retour du Martien Grognon. Tiens, bonjour, Martien Grognon. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Je suppose que tu vas rendre visite à des amis. Ah, je vois. Tu veux conquérir le monde. Encore une fois, et comment vas-tu t'y prendre? Tu as un plan, au moins? Ah, désolé, je n'ai rien compris. Tu as inventé une télécommande qui te permet d'échanger ton esprit avec celui de quelqu'un d'autre. Comme ça, tu peux lui jouer des sales tours et gâcher ses jeux et sa journée. C'est ça ton plan pour prendre le contrôle de la planète et dominer le monde? Eh bien, je ne trouve pas ça très gentil. Bonjour.
mais ta télécommande fonctionne. Ce n'est plus Pocoyo, c'est le martien grognon, c'est ça. Oh là là. Bravo, Pato. Tu as peint un très joli tableau. Oui, merci. Le tableau de Pato est mille fois mieux comme ça. Oui. Oh, oh, Pocoyo, petite chenille te prend pour le martien grognon et j'ai l'impression que tu lui plais beaucoup. Je suis désolée, petite chenille, mais ce n'est pas le martien grognon. Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas le martien grognon, c'est Pocoyo. On dirait qu'Ellie est captivée par son livre. Bien joué, Martien. Ellie ne s'était jamais balancée aussi haut. Décidément, tu es très gentil pour un Martien grognon. Oh, j'ai compris. Tu veux récupérer ton corps, c'est bien ça, Pocoyo? Tu veux arranger la situation? Ouf, j'espérais que tu dirais ça. Bien. Si on y réfléchit, tu as vraiment conquis le monde, puisque tu as résolu tous les problèmes. Eh bien, c'est merveilleux. Il faut absolument fêter ça. D'où vient ce bruit? Nous avons un visiteur qui vient de l'espace. Ce serait gentil si on lui disait bonjour. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Bonjour, Martien. Oh là là. Oh, j'ai l'impression qu'il est timide. Calme-toi, tout va bien. Tu n'as que des amis ici, petit Martien vert. Bienvenue sur notre planète. C'est la première fois que tu viens. Dans ce cas, je vais te présenter quelques-uns de nos amis. Et, au fait, tu viens ici en paix, n'est-ce pas? Je suis sûr que nos amis vont beaucoup te plaire, tu vas voir. Youpi! Tiens, qui va là?
Oh, c'est Pocoyo. Oh non, 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 attends, Pocoyo. Pocoyo. Bonjour. J'aimerais te présenter quelqu'un. Non, non, il est au-dessus de toi. Oui, je sais, notre ami est assez timide. Alors il va falloir être très gentil avec lui. Oui, c'est mieux. Oui! Pocoyo, attention, sois gentil. Oh, s'il vous plaît, les enfants, vous savez qui crie comme ça? Oh zut, son chapeau est encore tombé sur ses yeux. Pato, Pato, tu vas arrêter, oui? Tu fais peur à notre nouvel ami. Attention! Oh là, il a failli marcher dessus. Mais où est passé le petit martien? Oh, te voilà. Écoute, je tiens à te faire des excuses. Pato n'est pas comme ça d'habitude. On va te présenter Ellie. Ellie! Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Elle est vraiment très gentille. Oh zut! Oh là là, je ne peux pas empêcher l'accident. Et je... Oh. Oh non. Oh, je suis vraiment désolé. Mon jeune ami. N'aie pas peur. Regarde, Ellie et Pato sont là. Tu vois, ils ne sont pas méchants. Les enfants, vous ne croyez pas que Pocoyo et le Martien devraient aller dire bonjour à Ellie et à Pato? Oh là là! Dommage, ça ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé. Ce n'est pas grave. Tu leur as fait peur, c'est tout. Ah, ils reviennent. Les amis, je voudrais vous présenter un nouveau venu. C'est un martien vert. Eh oui, il vient de l'espace. Vous voyez, j'étais sûr que vous alliez l'adorer. Il suffisait juste d'apprendre à le connaître. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont sûrement ses parents. Je pense qu'ils sont venus pour ramener leur fils à la maison. Votre garçon est vraiment adorable. On s'est beaucoup amusé avec lui, Madame la Martienne. Et... Ah, pardon. Vous êtes un monsieur. Oui, pardon. Oh, zut! Nos amis sont sur le point de partir et Pocoyo et Ellie ne sont pas là pour dire au revoir à leur nouveau copain. Attention, ils vont s'en aller. Oh, comme c'est dommage. Vous avez vu? Oh, regardez, c'est Ellie et Pocoyo. Ils sont venus leur dire au revoir.
Vous savez quoi, les enfants? On va leur dire au revoir tous ensemble. Au revoir, les Martiens! Un grand bravo pour nos nouveaux amis! Au revoir! Et revenez vite nous voir! Nettoyage. Bonjour, Ellie. C'est l'heure du thé? Oh. Cette eau est bizarre. Elle est marron. Bonjour, Pocoyo. Ah, tu vas prendre ton bain. Dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Berk, l'eau du bain est très sale. Bonjour, Pato. Oh, attention, Pato. Cette eau est très sale aussi. Regarde. Bah, Pato. Il faut faire quelque chose pour nettoyer l'eau, les amis. Et tout de suite. Excellente idée. Suivons ces tuyaux jusqu'au bout pour voir où ils nous mènent. Quelle horreur! Cet étang est tout sale. Il faut le nettoyer, les amis. Oh, pauvre petit poisson. On ne peut pas le laisser comme ça. Il faut l'aider. Bravo, Ellie. Bravo, Pocoyo. Regarde tous les déchets que tu as récupérés. C'est formidable, Pato. Grâce à vous, les amis, l'eau de cet étang va très vite redevenir propre.
L'eau n'est toujours pas propre. Encore bravo, les amis. Vous avez fait du très bon travail. Je suis fier de vous. Ah, quelle belle matinée au bord de ce joli étang tout propre. Et tout ça, c'est grâce à vous, les amis. Vous avez bien travaillé. Camping à la montagne. Oh. Oh. Bonjour, Patou. Eh bien, quelle chaleur terrible aujourd'hui. Tu as raison, Pocoyo. Vous devriez aller vous réfugier dans un endroit frais comme... à la montagne, par exemple. Pato, je crois que tu es le mieux placé pour diriger cette excursion. D'ailleurs, je vois que tu es très bien équipé. Ça y est, me voilà enfin arrivé au sommet. Quelle vue incroyable! Wow.
te voilà enfin, Pato. Ce n'est pas trop tôt. Dépêche-toi de planter ta tente comme Pocoyo et Nina. Ah, voilà les piquets de la tente. Mais ce sont des clubs de golf. Je crois que tu t'es trompé de sac, mon pauvre Pato. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Pocoyo et Nina vont trouver une solution. Regarde, Pato, un cadeau pour toi. C'est magique, n'est-ce pas? Finalement, c'est formidable de camper à la montagne, pas vrai? Bonne nuit, les amis, et à bientôt. Bonjour, Pato. Oh. Ellie, bonjour. Tu as vu Pato? Il avait l'air assez... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi courez-vous tous dans tous les sens? Bonjour, Pocoyo. Oh, bonjour. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? On joue. Vous jouez? Et comment joue-t-on à ce jeu? Trouver. Oh, mais bien sûr. Vous faites une petite partie de cache-cache. Très bonne idée. Eh bien, vas-y, Pocoyo. 1, 2. Bravo, c'est une excellente cachette. Ah, malheureusement, Ellie a eu la même idée. 5, 6, 7. Dépêche-toi d'en trouver une autre. Petite chenille, tu sais que tu dois te cacher pour que Pocoyo essaie de te trouver. Oh, ah oui. 9, 10, 11, 12, 13. Ah, le nid de dodo l'oiseau. Si tu veux mon avis, c'est une excellente cachette. Ah, ah, ah. 18, 19, 20. J'arrive! Pocoyo a fini de compter, ça y est! Petite chenille! Tu l'as trouvé, bravo! Tu auras plus de chance la prochaine fois, petite chenille. Lula! Ah non, ça ne compte pas, Pocoyo. Lula ne joue pas. Elle ne s'est pas cachée. Apparemment, Lula a trouvé quelque chose. Ellie, moi plus fort. Attention, j'arrive. Bébé oiseau aimerait que tu te taises, Lula. Il essaie de se cacher. Ah, trouvé! Ha ha ha!
à notre merveille. Vous avez tous trouvé d'excellentes cachettes, mais vous êtes tombés sur la grande championne de cache-cache. Elle est très intelligente, cette demoiselle. Quoi ? Moi, champion ! Reconnais-le, Pocoyo. Sans Lula, tu aurais eu beaucoup de mal à trouver tous tes amis. Oui, va-t'en ! Ellie aimerait savoir pourquoi tu as fait ça, Pocoyo. Ce n'est pas très gentil de te débarrasser de Lula de cette façon. M'a trouvé. Excellente idée. Alors cherche où est Lula. S'il vous plaît, les enfants, dites-nous si vous voyez quelque chose qui pourrait l'aider. Les traces de pas. Suis les traces de pas. Oui, elle est venue ici, c'est sûr. Mais où peut-elle bien être maintenant? Oh, l'aéroballon, bien sûr! Excellente idée, Pocoyo! Bravo! Oui, encore des traces de pas. Lula! Non, c'est la petite chenille. Mais où peut bien être Lula? Oh, regardez, c'est sa balle. Oh, si vous voulez mon avis, les amis, c'est mauvais signe. Oh, pauvre Lula. On ne la retrouvera jamais. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où est Lula. À côté de toi, elle est juste à côté de toi. Nous t'avons retrouvé. Un grand bravo pour Pocoyo qui a retrouvé tous ses amis. Au revoir et à bientôt. Bonjour les amis. Oh Pato, bonjour. Oh là. Oh, mon pauvre Pato, j'ai l'impression que tu as du mal à tenir sur tes pattes. Oh non, 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 attends, je ne voulais pas dire que tu étais trop jeune pour courir avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, eh bien c'est une paire de lunettes de soleil. Je suis sûr qu'elles appartiennent à un adulte. C'est comme ça que l'on doit porter des lunettes. Non! Comme ça alors? Non! Non plus! Comme ça? Non! Doit-on porter des lunettes comme ça? Oui! Tu es très élégant avec. Tu fais beaucoup plus que ton âge. Oui. Pardon, répète. Ah, tu aimerais avoir un autre nom. Quelque chose qui va mieux avec ton nouveau style. Ça y est, j'ai trouvé. Monsieur Kiss Dandine. Ah bon, alors, Seigneur Coin-Coin. Non, Seigneur Lunette Noire. Oh, attends, j'ai trouvé. Que penses-tu de Monsieur Grand Canard? Pato voudrait savoir ce que vous pensez de Monsieur Grand Canard. On l'adore! Moi aussi. Dans ce cas, on le garde. Monsieur Grand Canard, c'est le nom idéal pour un canard adulte comme toi. Ce que Monsieur Grand Canard essaie de te dire, mon petit Pocoyo, c'est qu'il est trop vieux et trop adulte pour jouer au cube avec toi. Monsieur Grand Canard, pourrais-tu montrer à Pocoyo ce qu'on fait quand on est adulte comme toi? Oh, tu veux devenir adulte toi aussi, si je comprends bien. Oh,
Oh là là, oh, tu fais beaucoup plus que ton âge avec ces lunettes. Ah, oh, oui. Attention. Bonjour, bébé oiseau. Message reçu. Regardez-les tous les trois. Ils font très adultes comme ça. Oui, 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 bébé oiseau, on sait. Tu es un adulte, toi aussi. Bien. Récapitulons. Vous êtes des adultes tous les trois. C'est parfait. Trois adultes avec des lunettes noires. Oh tiens, bonjour Ellie. Ellie vous demande de jouer avec elle. Ah oui, oh, j'avais oublié. Apparemment, Monsieur Grand Canard et ses amis sont trop vieux pour jouer. C'est dommage. Qu'y a-t-il? Oh, regardez! Ellie peint avec ses pattes. Comme c'est amusant. Ah oui, j'ai l'impression que ces trois-là sont trop vieux pour dessiner avec leurs mains et leurs pattes. Regardez! Ellie joue maintenant avec des cubes de toutes les couleurs. Quelle chance elle a! Oh, tu as raison. Il n'y a rien de plus amusant que de jouer au train électrique. Écoute, Monsieur Grand Canard, je sais bien que tu es un adulte maintenant, mais tu ne crois pas que cette histoire va trop loin? Allons, Monsieur Grand Canard, ne sois pas fâché. Pocoyo n'a pas pu résister. Ce n'est pas un véritable adulte, il faisait semblant, tu le sais bien. Comme toi, d'ailleurs. Oh, regarde, une balle. Pourquoi ne jouerais-tu pas à... pourquoi tu ne la fais pas rebondir, cette balle? Ne t'inquiète surtout pas. Les adultes font ça souvent, je t'assure. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, oui. Vous croyez que Pato devrait aller rejoindre ses amis? Oui, 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 il doit y aller. Oui, oui, oui. Oui. Un grand bravo pour Pato. Un grand bravo pour ses amis. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Peux-tu me dire ce que tu fais? On dirait que tu suis la piste de quelqu'un. Chut. Je me demande qui a laissé ces empreintes de pas. Elles sont assez petites. Je crois que j'ai trouvé. Si vous regardez bien, elles ont exactement la même taille que les pieds de Pocoyo. Dites-moi, les enfants, pourriez-vous dire à Pocoyo qui a laissé ses empreintes de pas? Pocoyo! C'est toi, Pocoyo! Ils ont raison. En fait, tu es en train de suivre une piste que tu as toi-même laissée. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, d'autres empreintes de pas. Celui qui les a laissées ne portait pas de chaussures. Regarde bien. D'ailleurs, je peux même affirmer que c'est sûrement quelqu'un qui a des pattes et non des pieds. Qui a laissé ces empreintes? Le sais-tu, Pocoyo?
À ton avis, est-ce que c'est toi? Compare avec tes pieds. S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo. Qui a bien pu laisser ses empreintes? Un chien! C'est Lula! Vous avez raison, c'est bien Lula. De temps en temps, il arrive qu'on laisse des traces ou des empreintes de pas derrière soi, par exemple quand on marche sur le sable à la plage. Ces empreintes-là sont vraiment très mystérieuses. Quelle personne ou quel animal a pu laisser ces empreintes? Ronde! Oui, elles sont rondes. Grandes! Tu as raison, elles sont très grandes. Beaucoup plus que les tiennes ou que celles de Lula. De gros pieds, ronds. Je me demande à qui ils peuvent appartenir. Dis-moi, Pocoyo, sais-tu qui a laissé ces empreintes de pas? Et vous, les enfants, vous avez deviné? Qui a bien pu laisser ces empreintes grandes et rondes à la fois? C'est Ellie! Mais bien sûr, c'est notre amie aux grandes oreilles, Ellie! Bonjour, Ellie! Je reconnais que tu as de très grands pieds, Ellie. Oh, j'aperçois quelqu'un qui laisse des empreintes de pas particulièrement intéressantes. Bonjour, Pato. Tu vas nager, on dirait. Que pensez-vous de ces nouvelles empreintes? Grandes! Oui, celui qui les a laissées doit sûrement avoir de très grands pieds. Encore plus grands que ceux d'Ellie. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi les pieds palmés. Réfléchissons à ce nouveau mystère. Ce n'est sûrement pas un petit garçon, ni un chien, ni un éléphant. N'est-ce pas, Pocoyo? Donc, qui cela peut-il bien être? Un monstre? Non, ne vous inquiétez pas, ça m'étonnerait que ce soit un monstre. Pocoyo, Pocoyo, regarde bien autour de toi. Pocoyo, je sais que tu as l'impression que le monstre est tout près de toi, mais fais-moi confiance. Tu te trompes, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Regarde, Pato, c'est bizarre, tu ne trouves pas? Les empreintes sont juste derrière toi. As-tu enfin compris qui a laissé ces empreintes qui te font si peur, Pocoyo? Vous ne voulez pas l'aider à découvrir la clé de ce mystère? À qui appartiennent ces empreintes? À Pato! C'est Pato! Pato! Mais oui, vous avez raison. C'est Pato avec ses palmes qui a laissé ses empreintes. Un grand bravo pour Pocoyo! Tu as résolu le mystère du monstre au grand pied. Beau travail! Au revoir et à très bientôt! Je me demande où peut bien se cacher Pocoyo. Ouh! Pocoyo! Oh, oh là là! Oh, c'est malin! Tu m'as fait une de ces peurs! Ah oui, j'ai compris. C'est ton nouveau jeu, c'est ça. Très amusant. Ah, où est-il passé encore? Ah, oh,
Oh, je me suis encore fait avoir. Je ne t'ai pas vu venir. Ah. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Enfin, Pocoyo. À mon avis, Pocoyo aimerait que vous criez tous « bou » en même temps que lui. Vous êtes prêts? Un, deux, trois. Écoute, Pocoyo, tout le monde n'aime pas ce jeu. Tu ne vas pas aussi faire peur à Lula, j'espère. Non. Ah, tant mieux. Oh non. Pauvre Lula. Oh non! Tu ne vas tout de même pas... Chut! Oh! Tu veux que Pocoyo recommence? En tout cas, toi, tu as l'air de bien t'amuser. Oh non, 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 Pocoyo. Tu sais que Pato est très sensible. Tu ne devrais pas l'embêter. Oui, je sais, Pato. Tu as eu très peur. Il a recommencé. Ouh. Ouh. La voie est libre. Ouf, on est tranquille alors. Tu vas pouvoir prendre ta douche sans être dérangé. Au fond de l'océan. Bonne idée! Tu vas pouvoir nager tranquillement sans être dérangé. Ça commence à devenir fatigant. Un petit peu d'eau, peut-être. Ça suffit, Pocoyo. Ça va trop loin. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Moi? Non. Non, oh, pauvre Pato. S'il vous plaît, les enfants, expliquez à Ellie pourquoi Pato est dans cet état-là. Il a peur. Pocoyo lui a fait peur. Tu veux que les enfants et moi, on crie bou? D'accord. Prêt? Un, deux, trois. Bou! Oh, Pocoyo, tu dois être beau joueur. Si tu t'amuses à faire peur aux autres, tu dois t'attendre à ce qu'ils fassent la même chose avec toi. Ah, tu vois, ce n'est pas si affreux.
D'ailleurs, ça peut même être assez amusant. Vas-y, Pato, essaie. Oh, vous m'avez fait peur. Un grand bravo pour Pocoyo et un autre pour Pato. Finalement, j'adore ce jeu, moi. Bouh. Moi aussi, je vous ai bien eu. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh, tu as vu ça? Est-ce que tu sais ce que c'est? S'il vous plaît, les enfants, dites ce que c'est à Pocoyo. C'est un vieux pneu. C'est exact, c'est un vieux pneu. Quelqu'un a dû s'en débarrasser. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un réveil tout cassé. Mais que vas-tu faire avec? Ah, j'ai compris. Tu veux le jeter? Ben oui, pourquoi pas? Encore? Encore? Dodo l'oiseau a besoin de se débarrasser de choses, elle aussi. Ah, tiens, tiens. Apparemment, tous nos amis font le ménage. Peut-être amusant de jeter des objets. Ah, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça fait de la place dans la maison. Coucou! Bonjour, petite chenille. Oh, tu n'as pas de chance. Tes amis ont mis tous leurs objets à jeter devant ta maison. Excuse-les. Pato, mais qu'est-ce qui t'a pris de jeter tout ça dans la mer? Ça sent bon les œufs au plat, n'est-ce pas? Oui, je sais, Fred. Personne n'aime voir des détritus dans ses œufs. J'ai hâte de voir comment tu vas te débarrasser de tout ça. Attention! Oh, pardon de vous déranger. Oui, oui, je suis d'accord, Pocoyo. Ce n'est pas très agréable de voir des détritus tomber du ciel alors que l'on joue avec ces cubes. Dites-moi, les enfants, ça vous plairait que l'on mette des choses bonnes à jeter là où vous vous amusez? Non, pas du fais-tu, Pocoyo? Ah, j'ai compris. Tu suis le trognon de pomme pour voir exactement où il va. Très bonne idée. Mmh.
Comme tu peux le remarquer, il tourne en rond. C'est normal puisque tout le monde n'arrête pas de le jeter vers quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de jeter des choses sans réfléchir, n'est-ce pas? Alors, que pouvons-nous faire? Arrêtez! Ah, j'ai l'impression que Pocoyo a trouvé une solution pour résoudre notre problème. Intelligent, dites donc. Au lieu de se débarrasser simplement des objets dont ils ne se servaient plus, ils ont trouvé un autre moyen de s'en servir. Un grand bravo pour Pocoyo, il a appris ce qu'est le recyclage. Au revoir et à bientôt. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Bonjour Ellie. Bonjour Pato. Mais d'où vient ce bruit? Oh, je vois. Pato avait mis son réveil à sonner. Tiens, c'est bizarre. Tu fais ta valise? On peut savoir où tu vas, Pato. Ah, tu vas rendre visite à tes amis Fred et la baleine qui vivent sous l'eau. Tu vas bien t'amuser. Bonne idée. Là où tu vas, tu risques d'en avoir besoin. Vous vous demandez sûrement où va Pato. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien dire à Ellie et à Pocoyo où va leur ami Pato? Rendre visite à Fred et à la baleine. Il va aller sous l'eau. Au revoir, Pato. Amuse-toi bien. Jouer avec de bons amis au fond de la mer, qu'est-ce qui pourrait être plus amusant que ça? Mais qu'est-ce que... Oh! Une balle. Excellente idée. Vous allez jouer à attraper la balle. Oh, 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 oh. C'est difficile de jouer à la balle dans l'eau. Attention. Tous tes jouets sont en train de flotter et de s'éloigner. Avec quoi vas-tu jouer maintenant? Ah, ta trompette! Ça devrait être amusant. Oh, quel drôle de son! Apparemment, l'eau et la trompette ne vont pas bien ensemble. Regarde! Ça, tu devrais pouvoir le faire partager à tes amis. C'est une bande dessinée. Oh non! L'eau a mélangé les couleurs. Pato! Oh, comme c'est drôle! Tu n'arrives même pas à piquer une grosse colère. L'eau ralentit tes mouvements. Malheureusement, j'ai l'impression que Pato ne s'amuse pas autant qu'il l'avait prévu. Oh, il n'y a rien de tel qu'un bon repas pour retrouver le sourire. Oui, c'est plutôt intéressant comme plat. Des spaghettis faits avec des algues, c'est bien ça. Pato aimerait savoir si vous voulez goûter, les enfants. Non, non, merci. Mange-les, toi.
Moi non plus. Non, non, merci. Non, 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 vraiment, j'ai mangé avant de venir. Tu vas devoir te forcer, mon petit pâteau. Oui, c'est bien. Bravo. Quoi? Tu ne vas pas partir maintenant. Il est tôt. Tu es déçu parce que tu n'as pas pu utiliser tes jouets, c'est ça. Et tu n'aimes pas la nourriture que l'on sert ici. Tu as envie de rentrer chez toi, c'est normal. Apparemment, la baleine veut t'emmener faire une promenade avant que tu ne partes. Elle veut juste te montrer à quel point ça peut être amusant de vivre sous l'eau. Oh là là, c'est... Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très amusant. Youhou ! Et il y a autre chose que la baleine aimerait te montrer avant que tu ne t'en ailles. Oh, une bulle géante ! Regarde ça. Tu peux jouer à la balle à l'intérieur, exactement comme là-haut. Qu'est-ce que c'est? Oh, des éponges! Un trampoline d'éponges. Que c'est drôle! J'ai l'impression que notre ami Pato passe un très bon moment. Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous trouvez que Pato s'amuse au fond de la mer? Il adore être là. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un coquillage géant. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oui. C'est Ellie et Pocoyo. C'est important de prendre le temps de s'habituer aux nouvelles choses. Un grand bravo pour nos amis sous-marins. Au revoir, à très bientôt. Je me demande où peut bien être Pocoyo. Oh, le voilà qui pilote l'aéroballon. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Coucou. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il est en train de faire. Oh, j'ai comme l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Pocoyo? Ah, mais c'est quoi ça? Vous connaissez la réponse, les enfants? C'est une tente! Une tente? Eh oui, on peut dormir dehors avec une tente. On appelle ça faire du camping. Tu as l'intention d'aller camper, Pocoyo? C'est fantastique! Ça tombe bien, j'adore ça, le camping! Je sens qu'on va bien s'amuser. Mais au fait, tu as prévu de partir avec quelqu'un? J'ai deviné qui vient avec toi. Eh oui, Pato a accepté de t'accompagner. Parfait. Tu veux emporter quelque chose, Pato? Tu crois vraiment que cet arrosoir va vous être très utile? Brosse pour te savonner le dos. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une baignoire là où l'on va. Oh, misère. J'aurais mieux fait de me taire. Bon. Oh, là, je n'ose pas poser la question. C'est tout, Pato? Tu es sûr? Tant mieux. Oh, j'y pense. On a mis toutes sortes de choses dans le coffre de l'aéroballon. Mais on n'a pas pensé à emporter de la nourriture. Oh, ce n'est pas vrai. Bon, j'imagine que maintenant, on est prêt à partir.
Tiens, bonjour, Ellie. Peux-tu me dire ce que tu emportes pour le voyage? C'est tout? Juste ton nounours? Oh, tu me rassures. Bon, ça y est, nous sommes prêts. Mets ton nounours dans la cabine, Ellie. Nous allons décoller. Malheureusement, je crains que l'aéroballon ne soit trop lourd. Vous avez mis trop de choses dans le coffre, mes petits amis. Réfléchissez, Pato et Pocoyo, à votre avis, que devez-vous faire pour que l'aéroballon puisse décoller à nouveau? S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez aider nos malheureux campeurs. L'aéroballon est trop lourd pour pouvoir décoller. Que doivent-ils faire? Il existe forcément une solution. Ils doivent enlever les choses du coffre, ils ne peuvent pas tout emporter. Oui, c'est une excellente idée. Pocoyo pense que ce serait une bonne idée d'enlever ta baignoire, Pato. Et toi, Pocoyo, tu pourrais peut-être remettre le réfrigérateur à sa place. Allons, allons, mes petits amis. Il va falloir prendre une décision et choisir ce que vous allez laisser ici sans vous disputer. Prenez exemple sur Ellie. Elle accepte de laisser la seule et unique chose qu'elle voulait emporter. Elle a compris que le plus important dans cette histoire, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et elle a raison. Vas-y, réessaye! Ah non, c'est encore trop lourd. Pocoyo, c'est à toi de faire un petit effort. Tu ne crois pas? Voilà, j'aime mieux ça. Et voilà le résultat. Ça marche! L'aéroballon vole! On a réussi! L'aéroballon s'envole! Sans nous. En tout cas, grâce à nous, l'aéroballon a enfin quitté le sol. Malheureusement, je crois qu'il est parti camper sans nous. Tu sais, Pocoyo... Bon, d'accord, tu ne vas pas pouvoir aller camper dans la campagne ou à la montagne puisque l'aéroballon est parti sans nous. Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin pour faire du camping. Tu as toujours tes amis près de toi et tout votre équipement. Camping! Oh, regardez-les! Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi amusant de camper chez soi avec les gens qu'on aime que d'aller planter sa tente loin de sa maison. L'important, c'est d'avoir autour de soi ce dont on a besoin. Je pense aux amis, bien sûr. Un grand bravo pour Pocoyo! À très bientôt! Oh my! A pirate flag? Our friends seem different. They have a telescope. Pocoyo has an eye patch. A map! And they have a map. Oh, I see. They're pirates. Treasure chest! They're pirates looking for a treasure chest. Piranhas! Oh, they're piranhas. Be careful, Pirate Pocoyo! Pocoyo's Fairy Tales. Hello, Pocoyo. What's that? Story! Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, there was a dinosaur who wanted to go to an island. He took a ship. But then, the ship started to sink. So he took a boat. But then the boat started to sink. So he started to swim. When he got to the island, he phoned his friend, the ant. He asked the ant to come to the island too.
So the ant took a ship. But the ship started to sink. So the ant took a boat. But the boat started to sink. So the ant started to swim. When the ant got to the island, they made a lovely sandcastle and had lots of fun. The end. Our pirates are still looking for the treasure. I think Pato sees something. Can you tell Pocoyo what Pato saw? The treasure chest! He saw the treasure chest! Can you tell Pocoyo what Pato used to see the treasure chest? The telescope! He used the telescope! What do you see, Pocoyo? Treasure chest! What is that? The treasure chest is guarded by a monster. How will our pirates ever get the treasure? Wheel of Colors! Welcome to the show. Today's color is... orange! Everyone look for something orange. Something orange. What can you find? All right, let's see your pictures. An orange tent. An orange flag. An orange block. Good. Keep searching for orange things. A carrot. Yes, it's orange. An orange key. Excellent. And this, do you know what it is? An orange alien. An orange alien. Very good. Hooray for orange. Hooray! The pirates have landed! Oh, the piranhas are coming too! Uh-oh! Treasure chest! Oh no! The monster is awake! Run, Pocoyo, run! And the piranhas! Run, Pato! Run! Oh, dear. Phew! Now, open the treasure chest. Oh! Can you tell me what that is? A map! Another map! Another treasure hunt! Ahoy, Pocoyo! Pirates, we have a map and a telescope. We are the great little pirates. We're sailing the sea with our pirate flag. We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. Treasure chest! We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope.
Hello, Potto. Hello, Pocoyo. Hi. Oh, the postman. And he's got a postcard. I wonder who it's from. It's Ellie. She's at the beach. What fun. It would be nice to go to the beach. I make. You'll make a beach, Pocoyo? Hmm. Well, you'll need a spade. Spade. A bucket. Bucket. Sunglasses. Sunglasses. And a sandcastle. Sandcastle. Okay, let's make a beach. Professor Otto. Now, class, pay attention. Professor Pato says, this is a beach. And this is the sun. The sun. At the beach, you use an umbrella to block the sun. It's very nice under the umbrella. Baby Bird, it's your turn. Can you tell Baby Bird what that is? Umbrella! It's an umbrella. Hmm. It looks as if the angry alien has something he wants to say. Umbrella! Wonderful! Now we've all learned about the beach. Thank you, Professor Pato. Lesson approved by Professor Pato. Ah, it looks like you two are ready for the beach. Can you tell me what that is? A spade! That's right, a spade. And what's this? It's a bucket! Right, it's a bucket. But that's not all you need, boys. Can you tell me what those are? Sunglasses! Fantastic! You're ready for the beach. The postman again. Ah, another postcard. Ellie has a very big sandcastle. Hmm. How are you going to make a sandcastle? I find. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? A monkey! A monkey! Monkey! A monkey! Right! Ah, you found some sand. And what a beautiful sandcastle. Sandcastle! Ellie's back. Can you tell Ellie what Pocoyo and Pato did? What's this? Shells! Seashells! Wonderful! So long! See you soon!
Let's go to the beach, let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket. Let's make a sandcastle, yeah. Beach! Sunglasses! Umbrella! Spade! Bucket! Sandcastle! Let's go to the beach, let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket, yeah. Hello, Pocoyo. Hi. What's in the box? A trumpet. Trumpet. Do you know what you do with a trumpet? No, you don't wear a trumpet. No, you don't look through it. That's it. That's what you do with a trumpet. You play it. Oh, and a drum. A guitar. How nice! Play! Oh dear, maybe you need some help. Friends! Surfing the net with Ellie. Hi, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie! Search, search, Ellie! Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Loud! Loud! Ellie is searching for loud things. Loud! Yes, that is loud. Very loud! Now, Pocoyo wants you to search for quiet. Quiet. This is very quiet. Thank you, Ellie. Yes, thank you, Ellie. Well done. And now presenting Pocoyo's band, Ellie. Can you tell me what Ellie is playing? Guitar! She's playing the guitar! That's right, Ellie is playing the guitar. And Pato! What is he playing? Drum! Pato's playing the drum! That's right, a drum. And finally, Pocoyo! What is Pocoyo playing? The trumpet. Well done. Okay, gang, hit it. Oh. Shape shuffle. A triangle. Triangle. A square. Square. A circle. Circle. Triangle, square, circle. Oh, what's this, Pocoyo? Train. I see. You've made a train with a triangle, circles, and squares. Aeroplane. An aeroplane.
Can you tell me the names of the shapes? What are these? Triangles! What's this? A circle! And these? Squares! Triangle, square, circle. This is really too loud. Pocoyo, could you? Pato, that's awfully quiet! I'm sorry, but that was too loud. Wait! Guitar! Drum! And trumpet. Ah, that's better. See what happens when everyone plays together? You make beautiful music. Everyone? Hi! What's going on? Rocket! Ah, you're making a rocket! Why? What's that, little alien? Oh, you're going back to your planet! Wonderful! Looks like they're ready for blast off! 2, 1, 0, ignition. Wow! This is exciting! Professor Potter. Welcome to another lesson with Professor Pato. Now, class, pay attention. Today we're going to talk about space. This is the sun. The sun. And this is the moon. The moon. Planets. These are planets. And stars. Baby bird, can you tell us what that's called? Can you tell baby bird what those are? Stars! Those are stars! Oh, it looks as if the angry alien has something he wants to say. Wonderful! Now we've all learned about space. Lesson approved by Professor Pato. You did it, Pocoyo! You flew into space! Stop! Planet? What do you think? Is that a planet? No! It is the sun!
You're right. That is the sun. You're going to drive, Pato? Oh, but... Whoa! Whoa! That's not a planet, Pato. Can you tell Pato what that is? The moon! It's the moon! Yes, it's the moon. Look, little alien, is that your planet? Yes, you've found it! Houston, we have a problem. It's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, run! That's it, run! Fred says, laugh! Come on, let's laugh! Fred says, dance! Let's dance! Fred says, that's all! Someone's knocking at the door. Oh, it's the little alien's parents. Oh, I see. It was just a game. But now it's time for the little alien to go home. Let's all say goodbye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Looks like they're off on another mission. Bye-bye. Bye. Searching for a planet, flying near the sun, flying near the moon. Rocket to the star, searching for a planet. Flying near the moon. What's going on here? A tent, a sleeping bag, and a hammock. Camping! Oh, I see. You're camping. Wonderful. A flashlight. Good idea. It will be night soon. Ellie has a flashlight too. Pato, did you bring a flashlight? What do you think? Is that a flashlight? No, it's a flower. It's a flower. Is that a flashlight? What is that? A flashlight! That's right. It's a flashlight. Good work, Pato. Oh, my.
quiet moment with Sleepy Bird. Pocoyo was only playing. Good night. Goodness! That's really scary, Pato. Pocoyo, you frightened me. That is scary. Well, time to go to bed. Oh dear, what was that? Pocoyo, Pato heard a scary sound. There it is again. Don't worry, I'm sure it's nothing. Number menu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 2 bananas. Very good. 2 bananas! Oh dear. Well, how about 2 pineapples instead? 2 pineapples! 2 pineapples. Poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 2 hearts. That's right, 2. Morning at last. Oh, it's that sound again. Can you tell our friends where the sound is coming from? It was just Sleepy Bird. That isn't scary at all. Oh well, time to start packing. Well, it was a long night. Under the tree, under
Hello, Pocoyo. Hi. Hello, Ellie and Pato. What's going on here? Race. Oh, I see. You're having a race. What fun. Okay, everyone. Ready, steady, go! And Ellie is in first place, followed by Pocoyo in second, and in third place is Pato. Wait! Pato is first! Poor Ellie and Pocoyo. Hi, Ellie. Ellie, search, Ellie. Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Fast. Ellie is searching for fast things. Fast, yes, that is fast. Very fast. More. Slow. Pocoyo would like to see something slow. Slow. This is slow. Very slow. Thank you, Ellie. Yes, thank you, Ellie. Well done. Yes, Pato, you're still in first place. Oh no, you're second. Ellie's first. Oh, there goes Pocoyo. Can you tell me who is in first place? Ellie is first. Yes, you're right. And who is second? Indeed. And who is third? Pocoyo is first. Pocoyo, that isn't very nice. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish that drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what that is? It's a pig! A pig! That's right! It's a pig! Well done! Looks like Pocoyo is still in first place, and here come Ellie and Pato. Oh no, something is wrong with their cars. And Pato's. Look, Ellie and Pocoyo are racing on foot. Wonderful!
Everyone came in first. What an exciting race! Ready, steady,